Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire mon point mensuel que je vais faire, qui est le café tarot. Donc si vous ne comprenez pas le concept, d'où je le tire, à qui je l'ai emprunté, etc., je vous mets le dernier café tarot dans la barre d'infos. En fait, on va passer un peu en revue mes jeux du moment, mes jeux sur ma wishlist, les jeux que j'ai achetés dernièrement. On va passer en revue un peu le livre que je lis en ce moment, les livres qui me font envie, mon système de journaling, etc. Enfin, un peu tout ce qui concerne le tarot de manière générale. Donc, en ce moment, qu'est-ce que j'utilise comme jeu? Alors, j'utilise deux jeux en ce moment. Ce sont ces deux-là. Donc, j'utilise le Marseille Weight que j'ai reçu très gentiment de la part d'Emmanuel Higé. Donc, c'est un jeu que j'utilise depuis un mois et demi maintenant, je pense. Et j'aime beaucoup. Voilà. Les premières semaines, je l'avais découvert, j'avais lu le livret, je l'avais lu avec un autre livre, etc. Et je tire avec depuis un bon mois, je dirais, vraiment plus intuitivement et plus de manière plus à l'aise, voilà, de manière plus confortable. Celui que j'ai acheté et qui était sur ma wishlist, c'est le Lightsearth Tarot. Donc, le Lightsearth Tarot, alors où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Il est là, le petit. Alors, il n'est pas dans l'ordre, hein, parce que je m'en sers. Donc, c'est un jeu avec des dessins que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez suivi l'aventure. J'avais essayé de commander, j'aurais dû vous le prendre parce qu'il est là-bas et il va bientôt rejoindre les cartes que j'utilise pour faire du journaling. J'avais essayé de l'acheter sur Amazon. Et comme je sais que dans les éditions anglaises, il y a plusieurs éditions et que les prix anglais ne sont pas fixes, je m'étais dit, je vais prendre celui avec une boîte souple parce qu'il est un peu moins cher. Et je m'étais dit, de toute façon, c'est le Lightsearth, c'est le Lightsearth. Et en fait, j'avais payé quasiment 20 balles et c'était un jeu AliExpress. Le vrai Lightsearth Tarot a une boîte cloche. Voilà, on le reconnaît, il vaut 24,99 dollars canadiens. Donc, dollars et 34 dollars canadiens. Ils se font un peu allumer les Canadiens. et voilà, donc il y a une seule annonce, c'est celle-là, c'est la vraie. Je vous l'aurais mis dans la barre d'infos. Où vous avez le vrai jeu. Le reste, vous allez avoir des jeux AliExpress que vous allez payer 20 balles. Si vraiment vous voulez un jeu AliExpress pour faire comme moi du journaling ou quoi, allez sur AliExpress, vous les paierez beaucoup moins cher. Alors certes, vous allez attendre un peu plus longtemps, mais entre payer un jeu 4 balles pour faire du journaling et le coller dans ses carnets, ce que je peux comprendre, hein, parce que moi, les jeux qu'on m'a offerts ou pour lesquels je me suis fait avoir, je les colle dans mes carnets. Ça me fait moins mal que de coller mes vrais jeux, et puis mes vrais jeux, je m'en sers. Donc, je peux comprendre qu'on veuille utiliser un jeu AliExpress pour ça. Dans ce cas-là, allez sur AliExpress ou sur Wish ou voilà, ce genre de truc. Vous les paierez beaucoup moins cher parce que payer 20 balles un pauvre jeu qui en vaut 4 sur AliExpress, ça me fout les boules. Vraiment, ça me fout les boules. J'ai essayé de le retourner, évidemment, vendeur chinois, impossible. Donc, j'ai fait un appel à Amazon. Après 10 jours à parler avec des vendeurs, etc., à leur expliquer que c'était de la contrefaçon, j'ai eu gain de cause et j'ai été remboursé. Mais il a quand même fallu que je me batte. Donc voilà. Ensuite, le Marseille Weight. On va poser les boîtes là. Donc celui-là. C'est un jeu, comme son nom l'indique, qui allie le Marseille et le Weight. Donc comme vous voyez, vous avez les majeurs très très inspirés du Marseille. Et là, on a une mineure, les mineurs très inspirés du Weight. Donc, c'est un jeu que moi, j'aime beaucoup, par exemple, avec ce 3 d'épée très reconnaissable du Rider-Waite. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous en ai fait une revue sur mon compte Instagram. C'est un jeu que j'aime énormément. Je suis très content de l'avoir reçu. Le seul truc que moi, j'ai fait en plus, c'est ça, les tranches rouges. Je trouve que ça lui va bien, ça va bien avec son énergie. En fait, c'était pour rappeler le rouge du dos parce qu'on voit beaucoup de bleu
qui rappelle beaucoup le Marseille. Et moi, je voulais une couleur un peu plus peps qui rappelle le white. Et donc, du coup, j'ai mis du rouge. Voilà, tout simplement parce qu'il y avait du rouge sur le dos. Ça aurait été du jaune sur le dos, j'aurais mis du jaune. Hein. Voilà, vraiment, je ne me suis pas trop cassé la tête. Donc, c'est mes deux jeux du moment. En ce moment, j'ai arrêté un peu de mixer tarot et oracle. Je me centre un peu plus sur le tarot en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que c'est totalement fini, hein. Mais en ce moment, c'est plus tarot pour moi. Donc je me laisse guider en ce moment, c'est tarot. Ben, on fait les tarots. Donc les derniers jeux achetés, il y en a deux. Donc il y a le Lightseers que j'ai acheté donc il n'y a pas longtemps et dont je me sers. Et il y en a un que j'ai acheté et dont je ne me sers pas encore, qui n'est autre que le Spirit Song Tarot. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas vous faire avoir avec les fausses annonces, etc. Le Spirit Song, il a une boîte qui est magnifique. Alors lui, il est encore dans l'ordre parce que je ne m'en suis pas encore servi. C'est le prochain jeu que j'étudie là. Je pense que ça va être la semaine où vous regardez cette vidéo. Vous allez voir cette vidéo mardi. Je pense que j'aurai commencé depuis la veille ou depuis mardi à l'étudier. Donc je l'ai mis dans un pochon. Et alors ce jeu, je le voulais depuis. Bah, c'est pas compliqué, je le veux depuis l'année dernière parce que je l'avais demandé à Noël. Donc pour vous dire, je le veux depuis un moment. Et alors, mais je le trouve mais magnifique. Regardez, c'est bourré de détails. Franchement, à explorer, ça c'est. Est-ce que ça va réussir à faire le focus? Ça va pas réussir. Bref, c'est bourré de détails. C'est franchement. Enfin, voilà quoi. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, oui, c'est des cartes qui sont un peu dures à lire parce que justement, c'est plein de détails. On va passer dans les mineurs. C'est plein de détails parce que justement, voilà. C'est un style de dessin vraiment que moi, j'aime énormément. J'avais vraiment craqué sur ce jeu. Et pour vous dire, je ne fais pas souvent cette démarche-là. Mais là, je pense que je vais aller sur AliExpress, me le prendre, pour faire un truc con. Ça va être d'acheter un cadre aux bonnes dimensions. Bon, mon téléphone, je ne sais pas ce qu'il fait. J'espère que l'image n'est pas trop au flou. D'acheter un cadre aux bonnes dimensions et d'encadrer ce jeu tellement je l'adore. Vraiment, j'adore ce jeu. Le seul truc que je trouve un peu con, mais ça, c'est souvent dans les jeux US Gate, c'est ce petit truc-là. Qui est en haut et en bas, là. 2017, US Games. Pourquoi vous avez fait ça, quoi, les gars? Non, mais sérieux. Alors, par contre, c'est un jeu en anglais, comme le Lightyears. Contrairement au Marseille Wait, qui est en français. Et je me rends compte, quand même, que de plus en plus, je m'oriente vers les jeux en anglais. Pourquoi certains jeux, même quand. Bon, celui-ci n'existe pas en français, le Lightyears non plus. Pas encore, il va être ressorti ben, en septembre, là, je crois. Chez qui? Très Daniel, non? Exergue? Je ne sais plus. Bref, il va être ressorti en français. Avant, il était chez Arcana Sacra, mais il a été arrêté. Et là, il va être ressorti. C'est peut-être chez Très Daniel. Bref. Pourquoi généralement, j'achète pas les jeux traduits en français maintenant? Parce qu'en fait, avant, j'adorais ça. Mais maintenant, j'aime plus du tout ça parce que je trouve ça pénible. J'en ai pas un là pour vous montrer, mais oui, il est passé où d'ailleurs? Est-ce que j'ai. Oh, voilà. Là, c'est l'édition française. Bon, pour le coup, non, dans l'édition originale, elles n'y sont pas. C'est tout simplement ça. C'est pas que je trouve ça moche, hein. Attention, je trouve ça magnifique. Les bordures dorées ou argentées ou rose gold. Mais ça s'abîme à une vitesse. Enfin, je sais. Je pense qu'en caméra, vous ne le verrez pas. C'est pas trop sur ce côté-là un peu plus. Non, vous ne le verrez pas en caméra à cause des reflets du doré. Mais déjà, celui-là, je l'ai acheté au mois de juin, je crois. Je m'en suis beaucoup servi. C'est le jeu que j'utilise le plus quand je vais dehors, en fait. Et franchement, ouais, non, non, ça s'abîme trop vite. C'est con. Franchement, c'est con de mettre des bordures argentées pour faire beau alors que ça s'abîme et que ça rajoute du prix. Enfin, sans déconner, mettez pas de bordures argentées, laissez les gens faire comme j'ai fait avec le Marseille Wait, faire leurs bordures comme ils veulent.
Et puis ben, comme ça, vous pouvez les vendre un peu moins cher. Les gens ont moins peur de les acheter. Et puis, on peut personnaliser nos jeux, quoi. Ou alors garder le même prix et rémunérer mieux les auteurs. Aussi. Ça peut être une bonne idée, non? De mieux rémunérer les auteurs de manière générale. Donc voilà. Sur ma wishlist, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Modern Witch Tarot, donc le tarot de la sorcière moderne en français. S'il a des bordures argentées ou dorées, je ne l'achèterai pas en français. S'il a des bordures neutres, je l'achèterai en français, ça va dépendre. Voilà. Et j'avais repéré un autre jeu. Ah oui, le tarot des animaux de la forêt. Celui-ci, ça fait un moment que je l'ai repéré aussi. Mon chien a été malade, mais sinon je comptais me l'acheter ce mois-ci. Mais il faut que je paye les frais de veto. Donc voilà. Des gros frais de veto. Hein. On est sur une facture à 643,37 €. Mais je connais le prix par cœur tellement ça m'a troué la flûte. Hein. Donc c'est pas le moment d'acheter un tarot là tout de suite. Enfin d'en acheter plusieurs. Je vais peut-être en acheter un. Mais lequel je sais pas encore. Je vous dis, j'hésite entre le tarot de la sorcière moderne. Mais sur la manière de dessiner, etc., on est peut-être un peu trop proche. Oula, c'est quoi cette. Oula. Bon, bref, c'est trop lumineux là maintenant. On est peut-être un peu trop proche du Light Sears. Donc, c'est un peu ce genre d'ambiance. Voilà, j'aime bien, mais c'est pas non plus. En fait, j'aime les couleurs, j'aime la vibrance. Je sais pas si on le verra. Il y a une carte là, par exemple, du tarot de la sorcière moderne. Les deux là, ça en est. Celle-là, ça en est. J'aime bien ce côté très coloré, très. Voilà. Et le tarot de la forêt enchantée, je crois que de toute façon, ils sont à peu près au même prix, si ce n'est au même prix. Je crois que la sorcière moderne, ça doit être 26 et la forêt enchantée 28 ou un truc comme ça. Enfin, c'est globalement le même prix. Mais j'ai vraiment envie du tarot de la forêt enchantée. Donc je pense que je vais plus m'orienter sur celui-là. Ou alors si je trouve les deux d'occasion pour un prix raisonnable. Parce que moi j'ai pas de problème à acheter des jeux d'occasion. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, vous irez voir sur ma chaîne, sur des petits conseils pour acheter ces jeux d'occasion. Donc j'ai pas de problème à les acheter d'occasion. Moi il n'y a aucun souci. Donc voilà. Ensuite, en termes de livres. De livres. En ce moment, je lis deux livres en même temps qui m'apprennent des choses. Parce que je lis aussi un livre de fiction en même temps. Qui est un tome 2 d'un livre que j'ai déjà lu, je crois que je vous en ai parlé sur YouTube, dans le tarot ABCD de l'ivresse, ou je sais pas quoi, ou tarot tac de l'alphabet l'ivresse, un truc du genre, je sais plus exactement, qui est Zodiac, donc j'ai lu le premier tome, je suis en train de lire le deuxième, et en livre plus culturel, je suis en train de lire, donc sur le thème du tarot, on va. Reparler de celui-là. Donc celui-là, c'est un gros pavé, hein, vraiment, c'est pour ça que je mets du temps à le lire. Il fait 660 pages. En plus, j'ai du mal à avancer parce que déjà l'intro est très longue, très explicative, etc. Donc j'ai pas encore. Je crois que j'en suis théoriquement au jour 3. Attendez, je vous dis ça. Parce que je sais que j'ai pas passé la centaine de pages. Oui, je dois en être à la fin du jour 3. Ouais, j'en suis à la fin du jour 3. Donc moi, je lis pas, ça doit faire entre 20 et 40 pages par jour. Je me tiens pas à ça parce que j'aime pas lire autant sur le tarot. Là, c'est que j'ai marqué un truc qui m'avait interpellé. Donc voilà. Donc j'en suis qu'à là. Je suis pas. J'avance pas très vite parce que c'est vraiment un gros pavé. Et en ce moment, c'est pas que je m'intéresse moins au tarot. Le tarot fait toujours partie de ma vie. Je touche des cartes quasiment tous les jours, etc. Mais en ce moment, j'ai besoin de développer ma créativité. Vous voyez, le fond a changé. Pas que j'aime plus les livres, hein, mais j'ai besoin de, vous voyez, de dessiner. Là, on le voit là. De coller, d'expérimenter, de mettre de la peinture, etc. Où est-il? J'ai un carnet aussi que j'ai commencé. Et il est passé où? Je l'ai perdu. Je voulais vous montrer mon carnet de collage. Et je l'ai perdu. Bon, bref. Enfin, mon carnet de. Mon art journal. Attendez. Il est là. Donc, mon art journal, voilà. Avec des pages de ce type-là. Vous voyez, des pages de collage.
Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, ça ressemble. Vous voyez, avec des pages, avec des trucs d'inspiration, etc. Des pages plus expérimentales. Voilà. Et en fait, j'ai envie de faire ça en ce moment. Là, la dernière en date. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Vous voyez, c'est là que je me sers des cartes qui viennent d'AliExpress. Vous voyez, soit je les colle comme ça et je fais un truc autour, soit je les colle au milieu parce que c'est une carte qui me parle. Ou alors je la pioche au hasard et je prends le thème couleur de cette carte et du coup je vais là-dessus. Je prends les couleurs principales du truc qui me parle et puis je brode un truc autour. Donc voilà un petit peu ce que je fais beaucoup en ce moment. Alors le truc qui m'inspire beaucoup, c'est le programme de Julia Cameron que j'ai réattaqué cette semaine. J'avais fait une pause quasiment de 3 semaines. Tout simplement à cause des problèmes de santé de mon chien, j'avais pas la tête à écrire tous les jours 3 pages. Alors déjà moi je me prends plus la tête avec le matin, pas le matin. Généralement c'est plutôt 2 pages parce que ça me correspond plus. Enfin, 2 pages, 2 pages et demie parce que ça me correspond plus. J'avais déjà beaucoup relativisé, j'étais à la 3e semaine. Et en plus, là, avec les soucis de santé de mon chien, franchement, j'avais pas du tout la tête à ça. J'étais en angoisse perpétuelle. Alors, les premiers jours, j'ai marqué que j'étais en angoisse perpétuelle de perdre mon chien. Je savais pas s'il allait survivre et aujourd'hui, il va bien. Moi, forcément, je vais mieux, donc je peux reprendre ça. Je suis un peu, des fois, psychorigide sur les bords, donc j'ai décidé de réattaquer lundi. Donc, hier, pour vous. Donc, voilà, j'ai réattaqué le programme cette semaine. Et voilà. Donc, du coup, j'ai loupé 3 semaines. Donc, théoriquement, je suis à la moitié du programme, mais j'ai loupé une partie. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est les aléas de la vie. Et le deuxième livre qui m'inspire et qui est en train vraiment paf, de débloquer un truc, c'est ça. C'est Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Alors, si vous connaissez Mélodie Miroir, c'est son livre fétiche, c'est son livre doudou. Alors, moi, je l'avais lu il y a plusieurs années et je me rappelle que je l'avais kiffé de ouf. Mais j'étais encore en pleine crise psychiatrique, etc. Donc j'ai pas de souvenir vraiment. Mais je me rappelle qu'il avait libéré un truc. Je me rappelle que c'est à ce moment-là que j'avais racheté plein de matériel, de dessins, de peintures. C'est là que j'ai fait mon premier art journal. Je me rappelle qu'à cette époque-là, malgré ma crise, ça avait débloqué un truc. Donc j'ai pas de doute sur le fait que ça va continuer de débloquer quelque chose. Donc comme par magie, c'est les livres que j'ai envie de lire, enfin que je suis en train de lire en ce moment. J'en ai lu un tiers à peu près. Ouais, je sais pas combien il fait de pages. C'est à la page 91. Ouais, un tiers. J'en ai lu un tiers, donc j'avance tout doucement, mais sûrement. Voilà. Donc au niveau des livres qui sont, enfin que j'ai acheté récemment, j'ai pas acheté beaucoup de livres. J'en ai vendu quelques-uns. J'ai fait le tri dans les livres que je ne voulais plus. Notamment des livres plus spirituels qui ne me parlaient plus, tels que La magie Wiccan, que j'avais lu, qui n'était pas du tout sur le côté spirituel, et moi je ne cherche pas forcément des bouquins qui m'apprennent à pratiquer. J'ai mes références, et je trouve que quand j'ai besoin d'un rituel particulier, d'une pratique particulière, soit j'ai des bouquins de référence, comme un bouquin qui est sur ma wishlist, qui est... Le grand livre des correspondances. Donc, lui, je le veux parce que justement, c'est une référence. Par contre, apparemment, il est compliqué à utiliser. Mais des livres plus type grimoire, à part pour le côté spirituel, le côté chemin de vie, etc. Sinon, le côté pratique personnel, en ce moment, ne m'intéresse plus. J'ai plus envie de dévorer ça. Donc, j'ai fait un peu le tri là-dedans. J'ai vendu aussi mon livre La magie du tarot parce que vraiment c'est un livre de voyance et je fais plus de voyance de manière générale, mais avec le tarot je crois que j'en ai jamais fait et ça m'intéresse pas. À la limite, si vraiment j'ai envie de faire de la voyance, ça va être soit en cartomancie tradie, soit avec certains oracles, certains, le jet ou le béline, c'est tout. Mais voilà, j'ai pas envie de faire de voyance, donc je ne fais pas de voyance, tout simplement. Et en livre sur ma wishlist, qu'est-ce que j'avais repéré? Je sais pas trop. J'ai pas vraiment repéré de livre parce que j'ai envie de m'équiper un peu en matériel d'art. Comme vous le savez,
perçoit l'allocation d'adulte handicapé. Et donc, je n'ai globalement que 970 euros par mois. Donc, à un moment donné, on ne peut pas acheter du matériel d'art, acheter des livres, acheter du tarot. On ne peut pas. Quand on a un loyer, des factures, des animaux qu'on mange aussi. Bon, moi pour le coup, je suis fumeur, ça c'est un luxe que je pourrais m'éviter, mais bon. Là, je vous avoue que j'ai fumé encore un peu plus avec les soucis de santé de mon chien. Mais là, ça va aller mieux. Mais voilà. Donc, quand on a tout ça à payer, on ne peut pas se permettre de payer vraiment énormément de livres et tout ça. J'aimerais, mais non. Donc, j'avais en ligne de mire le grand livre du tarot. Vous savez, le rouge et le bleu, là. Je vous le mettrai en barre d'infos. Le grand guide du tarot, un truc comme ça. Ou le grand livre du tarot. Je ne sais plus. Mais en fait, j'ai regardé des revues. Enfin, je ne sais pas si je vous le mettrai en barre d'infos parce que je vous le recommande plus ou moins. Et en fait, je le trouve très cher pour ce qu'il est. Quand on voit par exemple qu'un bouquin de 660 pages, alors certes pas aussi joliment illustré, etc., vaut 24 euros, alors que clairement, ce bouquin-là, je crois, il en vaut 26 ou 28, et il fait genre 200 pages, et en fait, il va pas plus loin que ça. Donc en ce moment, je vous avoue que le livre de Benny Bellwen me tente toujours. Je finis cette brique-là, je pense que j'en ai encore pour un moment. Qu'au niveau livre de tarot, j'ai pas forcément envie d'en acheter pour l'instant. Je suis quand même tenté par Tarot for Yourself, mais je me dis qu'il faut déjà que je finisse cette brique-là. Donc pour l'instant, c'est aussi pour ça que parce que le souci de santé de mon chien est arrivé plutôt après mes achats, parce que généralement je fais les achats que j'ai vraiment envie de faire en début de mois, comme ça je sais que c'est fait et les sous qui me restent, voilà, c'est pour vivre quoi. Et du coup, je les avais pas achetés parce que j'en ressentais pas l'envie, ni le besoin. Enfin, je ressentais l'envie, mais pas le besoin. Je me dis, je vais acheter des trucs. Par exemple, si je finis ce livre-là et que je veux acheter un nouveau livre sur le tarot, je finis celui-là avant d'acheter un nouveau livre sur le tarot. Tarot for Yourself, apparemment, il y a beaucoup de pratiques, de journaling, etc. Donc lui fera peut-être exception, mais c'est pas sûr. Mais par exemple, Tarot 101, Tarot Elements, les livres qui étaient sur ma wishlist le mois dernier, je vais attendre un peu. Si jamais je vois que je bloque encore ce mois-ci sur ce livre-là, le tour du tarot, eh bien, je passerai. Tant pis, je le reprendrai peut-être dans 6 mois, dans 1 an. On verra. Je vais voir si je bloque encore. Et si je bloque pas, ben, je vais le finir. Et donc je vous ai dit en livre acheté récemment, etc. Au niveau de mon système de journaling, alors ça a un peu changé. J'avais un planeur A5 et après je suis passé à un planeur à disque de chez Action. Et le planeur à disque de chez Action m'allait bien, mais avait des limites que le planeur A5 n'avait pas. Je me suis dit, mais s'il faut un planeur format personnel, ça va me convenir parfaitement. Ce que j'aimais moi avec le planner A5, c'était parce que je faisais un système bullet journal à l'intérieur, c'était justement les anneaux, la flexibilité, etc. Mais comme je faisais un système bullet journal, c'était le système bullet journal qui ne me convenait pas à 100%. Ensuite, je suis passé au planner avec une structure et la structure m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est pas compliqué, on va reprendre un planner, mais on va pas faire que le système bullet journal. Donc mon planner est divisé à 50-50. C'est-à-dire qu'en premier, donc j'ai repris un planner format personnel que j'avais déjà. C'est le Métropole normal. Je l'ai aussi en zip, mais je préfère le normal parce que le zip est un peu pénible sur le format zip. Mais j'ai les deux, donc j'aurais pu prendre le zip, mais pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. Donc là, j'ai mis mes cartes. Donc j'ai ma recharge. Donc là, c'est une recharge Exatime 17. Je regrette un peu. J'ai voulu prendre celle-là parce qu'en fait, je pensais que c'était des colonnes, vu que c'était la semaine sur 2 pages et c'est ce que je voulais. Et en fait, c'est pas des colonnes. C'est pas le truc le plus dramatique du monde parce qu'en fait, je vais pas faire mes listes de choses à faire vraiment dedans. Je vais plutôt planifier mon contenu et planifier mes rendez-vous. Et si jamais j'ai des consultations, elles iront là-dedans.
Ensuite, j'ai mis un système d'intercalaire où je fais un peu un système bullet journal, dans le sens où je fais des collections. Donc la première, c'est tout ce qui est to-do. Voilà. Voilà, des petites to-do toutes simples, voilà. Ensuite, j'y mets tous mes budgets. Donc, je ne vais pas vous montrer mon budget, mais vous voyez, c'est écrit budget de septembre 2023. Ensuite, là, c'est des listes au global. Voilà, des petites listes toutes bêtes, toutes simples, voilà. Ensuite, ça va être pour tout ce qui, je les enlève au fur et à mesure. Parce qu'en fait, c'est quand je fais des tirages à l'extérieur ou du journaling à l'extérieur, je le recolle dans mon journal que lui, j'ai gardé. Donc, voilà. Et à la fin, ben, c'est ce que j'avais aussi dans mon planeur à disque de chez Action, que j'avais déjà dans mon planeur A5. Ça va être des ordonnances, des papiers, etc. Et c'est plus pratique là-dedans parce que c'est fait pour. C'est plus pratique. En plus, j'ai remarqué, moi, par rapport à l'utilisation que j'en avais, vu que j'avais blindé la pochette, que c'était pas toujours facile d'écrire. Là, je peux sortir la feuille et écrire facilement. Que sur l'autre, ça avait tendance à abîmer les pages parce que c'était un planeur action et que les pages, même si elles étaient d'une qualité suffisante, elles n'étaient pas d'une qualité assez suffisante pour les enlever à chaque fois et les remettre. Je trouve personnellement par rapport à mes goûts en tout cas. Donc je suis repassé à ce planeur. Au niveau des accessoires, donc là c'est pareil, une petite ordo qui n'est pas à moi. Si, une petite ordo qui est à moi, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Un stylo, donc là c'est. Je crois qu'il se fait plus celui-là parce que je l'aime beaucoup, je voulais le racheter. Et je crois qu'il se fait plus. Parce que j'en voulais un pour le dessin, justement. C'est le Signio Uniball 207. Voilà, en point 0,7. J'ai trouvé des équivalents, mais j'ai pas retrouvé celui-là. Donc ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Ça se compte en années. Avant, je l'aimais pas et maintenant je l'adore. Et j'ai toujours mon surligneur friction, voilà. Pour mettre en valeur les choses. Et puis après, bah, ma recharge ou mes intercalaires viennent d'Amazon, tout simplement. Et les pochettes, il y en a une qui était livrée avec le planeur et il y en a une qui était livrée avec le kit de recharge que j'ai acheté. Voilà. Ensuite, mon journal. Donc là, c'est pareil. J'ai continué le même système. Sauf que là, je me suis libéré un peu. Par exemple, vous voyez. Quand je colle mes pages, je fais des petites entrées. Qu'est-ce que, voilà, par exemple, pour faire des to-do, des machins, je me suis un peu libéré. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Des projets de journaux. J'avais fait une page sympa, je voulais vous la montrer. Bah, par exemple, voilà, des pages comme ça. Je me suis un peu libéré. Je fais pas non plus art journal, vraiment, parce que c'est pas un carnet qui s'y prête et c'est pas son but. Mais je me suis un peu libéré quand même là-dessus. Je journale un peu moins dedans à cause du programme de Julia Cameron qui prend du temps et qui... voilà. Parce que je tire un peu moins les cartes en ce moment parce qu'il y a eu la période difficile avec mon chien. Et puis parce que je me suis vachement libéré sur la créativité et que j'aimerais reprendre un boulot en ce moment, à mi-temps, maximum. Mais je me dis, si je prends l'habitude de dessiner, faire le programme de Julia Cameron, de journaler, de tirer les cartes, de lire énormément, de faire des vidéos, machin, et que je dois caler un boulot au milieu, il y a un moment donné, ça va me frustrer. Soit je vais moins faire mon boulot parce que je vais être trop préoccupé par d'autres choses, soit je vais être frustré parce que je vais moins faire d'autres choses et trop me centrer sur... Donc je me dis, j'essaie de caler une quantité raisonnable de choses. Quitte à avoir des temps où je m'ennuie, mais l'ennui c'est bien. Voilà, je vous avais préparé une vidéo là-dessus qui va sortir bah, vendredi, je crois. Où je vous disais que l'ennui c'était bien. Donc elle sort vendredi. Donc soyez à l'affût. Donc voilà, donc je me fixe plus le fait de remplir, remplir, remplir mes journées. Je vous en parlerai plus vendredi, mais voilà. Donc oui. Je journale toujours, mais je journale moins. Avant, je faisais une à deux pages par jour dans mon journal. Franchement, je pensais qu'il allait me durer 3 mois. Je me suis un peu détendu et en fait, bon, je pense qu'il va me faire jusqu'à la fin de l'année à peu près, avec ma vitesse de journaling actuelle. Après, vous voyez, je l'ai personnalisé. Il y a des cartes, des enveloppes, c'est pareil, des cartes, des essais de mon journal, quoi. Et est-ce que je prévois de changer de système de journaling? Est-ce que j'ai des envies ou quoi?
Je pense changer de format de journal. Pas tout de suite. Je vais me laisser un peu comme ça faire ça. Mais je pense que je vais passer mon journal sur un planeur pour deux raisons. La première, c'est que parfois je suis frustré parce que j'ai du mal à écrire sur la page de gauche quand je tourne le carnet avec les spirales. Donc, des fois, ça me bloque, ça m'énerve. Pourtant, j'ai pas arraché de page et au contraire, il l'a gonflé. Donc, ça vient pas de ce fait-là. C'est pas comme si j'avais arraché la moitié du carnet. C'est pas de mon fait, c'est de la spirale en elle-même. Donc, ça me gonfle un peu. Donc, j'aimerais avoir des feuilles mobiles déjà. Ou alors, j'aurais pu passer sur un traveler. Je suis encore en réflexion. Soit je vais passer sur un traveler, soit sur un planeur. Et en plus, j'ai envie d'un peu plus de structure dans mon journal. C'est-à-dire que quand je cherche une liste, je suis obligé de repasser en revue tout mon journal. Alors autant dans mon grimoire que ce soit le bordel, ça me dérange pas. Autant à chaque fois de retomber sur tous mes tirages, toutes mes listes. Souvent quand je cherche ça, c'est que j'ai une idée, une inspiration, un coup d'élan. Et je préférerais avoir par exemple même un traveler. Peut-être que ce sera un traveler d'ailleurs, il faut que j'y réfléchisse. Même un traveler où je prends le carnet à liste. Et je vais dans les listes. Et j'ai pas besoin de me taper tous mes tirages ou toutes mes idées créatives, enfin, ou toutes mes pages créatives, et je vais juste dans les listes. Alors après, il faut que je cherche la bonne liste, évidemment. Voilà, c'est pas une page Word où tu tapes le mot que tu cherches et tu trouves. Évidemment, c'est un format papier, mais je tiens au format papier. Je ne veux pas passer mon journal en format informatif. Je ne veux pas, et je ne le ferai pas, et je n'aime pas ça. Personnellement, pour moi. Donc, je pense passer soit sur un planeur, A5, je pense, pas personnel parce que c'est trop petit, donc A5, soit sur un traveler. J'hésite encore. Je me dis que les planeurs, je les ai déjà, mais en même temps, j'aime bien le format du traveler. Donc, je vais voir. Je vais jauger un peu. J'avais repéré des traveleurs qui étaient pas mal, qui n'étaient pas hyper chers, qui n'étaient pas donnés non plus, hein, faut pas se mentir. Mais qui n'était pas hyper cher, donc je vais peut-être me pencher là-dessus. Mais ce ne sera pas pour ce mois-ci, je vais me laisser un peu porter comme ça, parce que je ne suis pas non plus frustré et bloqué. Donc j'ai pas besoin de changer immédiatement. Par contre, je pense que pour la fin d'année, je pense octobre, novembre, j'aime bien le mois d'octobre parce que le 31, c'est Samhain. Et j'aime bien en général faire une mise à jour de mes systèmes, etc. à Samhain. Repenser mon organisation, repenser mes objectifs, repenser mes envies, repenser mes buts. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera le bon moment. Et du coup, je réévaluerai ça. Et peut-être que ce sera un format Traveler. Donc ça, je vous en parlerai peut-être même pas dans le Café Tarot du mois d'octobre, mais peut-être dans le Café Tarot du mois de novembre. On va voir, mais c'est possible. Donc voilà, un peu pour les mises à jour. Moi, je vais commencer à explorer ce petit jeu-là. Enfin, vous voyez pas le jeu, celui-là, parce qu'il me fait beaucoup trop envie et que j'en rêve depuis un an quasiment. Je suis trop content de l'avoir, donc je vais l'explorer. Je vais continuer à lire mon programme de Julia Cameron. Alors, je ne vous ai pas parlé du journal pour le programme de Julia Cameron, mais vous savez, c'est des journaux tout basiques avec des feuilles oula, lignées, toutes fines, vraiment toutes fines. Je paye ça, je crois, 1,60€ dans mon Carrefour. C'est vraiment des carnets de base. J'ai pas besoin d'un truc de ouf. Le seul truc que je voulais, c'est que voilà, il a 160 pages. Je voulais un carnet avec un peu de pages et des spirales. Et en fait, finalement, si j'avais su. Enfin, encore pour ce genre de journal. Non, même pour ce genre de journal, les spirales, ça me saoule. Donc, à voir, mais c'est possible que même sur le programme de Julia Cameron, j'enlève les spirales. Au début, j'étais là, les spirales, les spirales, les spirales. Finalement, à l'usage, quand on écrit de temps en temps, c'est super pratique, mais je me rends compte que j'écris quand même. Bon, là, j'ai eu une période où j'ai un peu moins écrit, mais quand je suis dans des périodes où je suis bien, ou pas trop mal en tout cas, j'écris énormément. J'écris au moins 3 pages par jour, enfin 2 pages et demie, 2 pages, 2 pages et demie avec le programme de Julia Cameron. Je fais au moins 1 page dans mon journal, je dessine, etc. Donc en fait, je me rends compte que quand on a une utilisation assez intensive, on peut dire que j'ai une utilisation intensive du journal. Les spirales, c'est pas top. Quand on a une utilisation plus soft, c'est bien.
J'ai pas une utilisation soft, faut pas se mentir, c'est pas une utilisation soft. Donc je pense que je vais basculer un peu mes carnets, soit sur des planeurs, soit sur des travelers, pour avoir plus de facilité. Donc voilà. J'espère que ce café tarot vous aura plu. Vous n'avez pas vu de café tout simplement parce qu'en fait, on est le soir. J'avais envie de tourner cette vidéo maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de la tourner maintenant. Et du coup, j'ai pas envie de boire un café avant d'aller me coucher. Surtout que demain, j'ai un rendez-vous important. Genre, important vraiment. C'est un rendez-vous pécunier. C'est-à-dire que si je ne vais pas à ce rendez-vous, je n'ai pas d'argent pour ce mois-ci. Enfin, en tout cas, je l'aurai plus tard. Donc, et plus tard, c'est dans 15 jours. Donc, non. Donc, demain, il faut que je me lève. Donc, je ne bois pas de café à 22 h. Non. Donc, on va s'en tenir là. Je prendrai peut-être un petit café le mois prochain. C'est dommage parce qu'en ce moment, j'ai changé un peu de café, etc. Mais on en reparlera. Ou peut-être que dans les vidéos de ce mois-ci, je m'accompagnerai d'un petit café de temps en temps. On verra bien. Allez, prenez très grand soin de vous-même et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!